Salut à tous, c'est Aquasis et on se retrouve pour la suite de notre petit playthrough sur Majora's Mask. Donc déjà, première chose, les épisodes seront plus longs parce que je me suis vite rendu compte, et enfin on m'a surtout dit, que Majora's Mask est un jeu relativement long, sachant qu'il va y avoir les quêtes annexes à faire, 15 minutes c'est pas assez. Donc les épisodes seront de 30 minutes, coupés avec une petite pause toutes les 15 minutes, histoire que les commentaires ne soient pas en décalé. Et c'est tout. Ce que j'allais dire, ah oui, c'est quand même, je vais faire là de... Je vous prie de m'excuser si je risque d'être shooté, mais j'ai de terribles maux de tête et je vais devoir tourner tous les Majora's Mask immédiatement, étant donné que la période d'essai de Camtasia se termine extrêmement souple. Tu vas aller droit toi. Oh, putain, je déteste la fleur, elle est... c'est chiant à manier, mais c'est terrible. Aïe. Oh. Rêve. Wow. Wow. Du calme. C'est ta fête. Voilà. On va y aller vraiment tranquille. Putain de tranquille. Oui. Voilà. Et parfait. Il rentre dans cette fleur. Fonce. Mauvaise idée, je sais, mais bon. Oui, je suis quand même arrivé. Haha, bitch. Prions pour que je ne me faille pas sur le dernier morceau. C'est pas si facile ça quand même. Salut le singe, j'étais beau. Oh, j'étais beau. Attention, mouvement de danse très sexy avec les jambes bien écartées. Alors là, hein. Ah bon, oui, on sait que la princesse est attaquée par un monstre, c'est pas toi. Comment tu pourrais attraper une princesse Mojo, toi? T'es trop petit. Bah non, allez, je sens l'argument de choc. Exactement. Ok. Oh oh, busted! Tape de pieu! Ouais, mais entre demain. Ouais, comme tous les temples dans Zelda, entre autres. Ouais, ouais. Non, t'aurais pas une banane? Ben, c'est pas que je veux aider, mais j'ai pas vraiment le choix. Là. 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 Là, 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 là. Là, là. Là. Alors là, je suis sûr que je vais me planter. Qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai même plus envie de faire dans le rythme de la musique normale. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, en toute discrétion, évidemment, bien sûr, hein, sans que personne ne le sache. C'est clair qu'en même temps une trompette c'est une discrétion. Cool. Oh là là, soyez-en témoin. Ouais, trop, carrément. Donc tu dis que ta fille est suffisamment conne pour se faire voir par un singe. C'est beau, n'empêche l'amour paternel. Fais-toi punir, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieusement. Allez, c'est parti.
Évidemment, je sais où se trouve le raccourci, mais là je vais le manquer. Putain. Really easy. Merde, ils m'ont cassé mon esprit. Attends, moi. En toute grâce, flotte foncer sur l'ennemi. Une fois qu'il nous croit bah, à sa portée. Et toute la subtilité des flammes au jeu. Oh là là, je suis épuisé. C'est une facilité. En plus, c'est même pas mal. C'est un coup de boule, c'est économique en magie. D'ailleurs, après tout, ils sont faits de bois les mojos. C'est relativement dur. Enfin, tu me diras, il y a les gorons, c'est encore pire. Eux, ils sont carrément faits de pierre. C'est vrai que quand on. Moi, j'ai toujours du mal à voir Majora's Mask. Comme la suite Ocarina of Time. J'ai toujours moi trouvé que c'était deux jeux complètement différents sans aucun rapport. En même temps quand tu vois les jeux hein. Allez hibou. Non jure, il y a une fille qui flotte autour de moi, mais non je suis pas un enfant à fait. Non mais je te croise dans le coin comme ça là et puis on va essayer de traîner. Con. Il y en a pas non plus dans la peur. Donc en gros c'est soit tu te casses et tu ne sauras rien, soit je te fais miroiter une belle information hein, et tu y vas. Sympa le hibou. En gros en foutant un bon coup d'épée dans sa tronche, vu qu'il le mérite, c'est pas plus mal. Oh, t'emballe pas non plus, hein. Mais c'est vrai que son champ, par contre, est très utile. Ça permet de se téléporter au passage. Merde. Non. Allez, le chien de l'envol. Ah voilà. Perfecto. N'empêche, la trompette mojo, c'est quand même moche. On dirait une membrane vivante là-bas. Ouais, sauf que j'ai oublié de donner un coup d'épée à celui de clocher, donc ça ne sert à rien. De toute façon, une fois que je serai parti du temple, je sauvegarderai en remontant le temps. Ah non, merde, et non, et mes rubis, oh là là. Ça manque un port. Donc voilà, alors, il nous reste encore à peu près 6 minutes, ça servira le temps que j'aille près du temps. Ensuite, eh bien, j'activerai la statue de hibou, je sauvegarderai. Donc là, perdre 49 rubis, bon, vous me direz, 49 rubis, c'est pas grand chose. Puis après, il y a l'astuce des 100 rubis à faire, que je ferai. Et, ben, simplement, pour la seconde partie de l'épisode, on se retrouvera. Parce que maintenant, comme j'ai dit, hop. On va y aller tranquille. Très tranquille. Je vais repousser vers le... Merde. Ouf. Ouh, punaise. Il a traversé le minuteur là, je suis pas fou. Oh bordel. Voilà, alors lui, il est mort.
Le voilà bougrement mort. Ah, je dévie encore sur le côté. Oups, excusez-moi. Coucou toi. Boum. Oh oh. Paf, tu lui es paumé. Et lui, deuxième partie. Oh là là, encore la souris. Franchement, Camtasia, c'est tout sauf pratique, sérieusement. Oui. D'ailleurs, même jouer sur un émulateur, c'est pas pratique. C'est tellement mieux la bonne vieille console. Ça me donne envie de rebrancher ma 64, tiens. Voilà, ça sert à rien que je fasse ouvrir le temple, puisque de toute façon, là, je vais juste activer la statue de Hibou qui se trouve ici. Oui, 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 ne me dis pas ce qui est évident, franchement. Voilà. Prendre ça. Maintenant. Ah ah. Allez, comme ça, après, je me fais l'astuce des 100 rubis, vite fait, bien fait. Histoire de débloquer la nouvelle bourse, comme ça au moins pour le donjon ce sera utile. Ben voilà, je vais me préparer pour le donjon hein, et j'y entrerai dans la deuxième partie. Puis comme maintenant les épisodes de 30 minutes ce seront... enfin, désolé hein, à chaque fois de faire la petite... coupure, mais je suis obligé, sinon les commentaires sont décalés et... Je sais mieux que quiconque que ce n'est pas agréable. Mais revoilà. Allez, on va vite faire nos petites affaires. On a 3 minutes. 3 minutes, donc après, il faudra aussi que je vois la statue de Hibou. Je dis ce champ de langue. Ouais, bref, j'ai pas mal de choses à faire. Ah, mais avant tout, ne pas gâcher le temps. Alors, c'est. Merde. Oulala, alors faut faire l'inverse. Voilà. Faut vraiment un temps d'adaptation avec les touches, hein. Voilà. On va se prendre une pourrubie argentée. Et comme je l'ai dit, hein, à chaque fois, il vous suffit de remonter le temps à chaque fois, pas de problème. Vous n'aurez jamais de problème avec. Et ça vous fera toujours un beau petit capital de rubis. À chaque fois, hein, vous remontez le temps, hop, vous prenez 100 rubis. C'est vite fait. La seule condition nécessaire étant d'être en humain. Ou en Zora. Mais bon, ça, pour plus tard. C'est vrai que là, ça a plus l'allure d'un walkthrough, puisque je connais le jeu dans ses moindres points. Donc, ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en tape sérieusement au walkthrough? C'est pareil. Moi, là, j'y joue pour m'amuser. Comme pour toutes mes vidéos, d'ailleurs. En fait, c'est pas vraiment le truc de jouer qui me plaît, mais c'est de faire des vidéos, de simplement de partager un peu ce que je fais, parce que je sais raconter sa vie, c'est tellement intéressant. Non, je plaisante. Hein. Alors, j'aimerais déposer des rubis. D'ailleurs, il aime pas quand on retire. Oui, et à chaque fois qu'on remonte le temps, il se souvient, lui. Il semble être hors du temps, ce type. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Eh oui, déjà. La 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 la. Voilà, donc déjà ça c'est fait, et d'ailleurs de toute façon la bourse va rester avec telle qu'elle. Et bah c'est parfait, regardez, 30 secondes. Ah j'ai pile poil la durée en dessous. Je crois bien que c'est le seul avantage de Camtasia. Donc au moins... On va sortir l'épée, j'ai hâte de pouvoir changer d'épée. Allez hop. Voilà. Donc maintenant, on va... Voilà. On va se rendre...
retourner au temple de la cascade. Ah, mes amis. Magie. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment et on se retrouve. On se retrouve tout de suite pour l'entrée dans le temple de Bocascade. A tout de suite. Et nous revoilà pour la suite de notre petit playthrough. Donc, on va entrer dans ce certain temple. Non. Oui. Alors merci quoi la musique. Ah, bon, la mémoire. Et puis il y a toujours une musique dans le menu, mais bon, ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh! Ding, ding. Un truc aussi mince pour se cacher là-dessus. C'est Zelda. Alors avant d'y aller, normalement il est 9. Non. Voilà. La 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 la. Alors on va vite enlever avant que je me trompe. Encore deux boutons. Sauf mon silence. Voilà donc. C'est tout ce que je vous conseille de faire, hein, c'est-à-dire revenir au début, à chaque fois du premier jour, mettre le son en arrêt pour commencer un temple, parce qu'un temple ça prend toujours pas mal de temps à faire. Surtout dans ce jeu où les temps sont particulièrement longs. Mais on devrait passer plus d'un épisode là-dessus au moins. Alors oui, il y a ces petites fées là, les petites fées roses, qu'il faut retrouver pour récupérer des objets auprès de la grande fée. Moi je me suis jamais cassé que toutes les récupérer, surtout que dans la limite c'est ici, ça va, c'est pas trop dur, mais au-delà de ce temple, c'est carrément mission impossible. Non, même pas. D'ailleurs il y en a une là-dedans. Là en bas il y a les petits monstres. Ces petits poules, ça va à rien. Oui, il y en a une première sur 15. Donc je vais quand même le faire. Si j'arrive à tous les avoir sans trop me fatiguer, ok, mais sinon. Voilà. Attention. Lag. Hop. Tu ne touches pas. Alors, juste un instant, je vais. Oui, voilà, j'ai éteint ma souris pour éviter les inconvénients. Voilà, et hop, j'ai mis mon clavier. Enfin, j'ai bloqué aussi là sur le clavier. Alors moi, je risque pas que ça se clique n'importe où et que ça interrompe la partie. C'est vraiment insupportable, on change de souris aussi. Mon marchand. On va y aller tranquille, hein, on va pas se fatiguer, hein, c'est un temple facile, même s'il est long. En fait, il est long dans la durée, pas dans le fait de le faire. Les énigmes sont faciles, hein, en même temps, c'est le premier temple. Facile comme tout. Ça manque quasiment pas de magie. Il peut aussi en avoir dans les monstres, hein, de ces petites bestioles. Ah, oh, tu rentres? Ah, voilà. En même temps, l'eau n'a pas l'air fraîche non plus. J'ai jamais eu de bâton mojo encore. Oh, c'est possible.
Bon. Alors. Hop. C'est vrai qu'en se battant avec la petite mojo, on a l'impression de faire un combat un petit peu plus actif. C'est plus jeu d'action. Alors par contre, il faut faire attention. On peut monter sur ces trucs tant qu'on est une petite mojo. Si on est humain, elle nous bouffe sans pitié. Et au début, j'avais toujours un peu peur de monter dessus, mais bon, hein, j'ai pensé. Je crois qu'il y a une fée là-dedans. Voilà, là, c'est sûr. Oui. Ouais. Ah, ouais. Ah, ça, il n'y a pas besoin de réfléchir à grand chose, hein. Je vais là-bas. Ah ouais, ça c'est embêtant, c'est sûr. Facile comme tout. Raté. Ah, facile comme tout, mais faut pas rater, voilà, c'est ça le coup. De toute façon, même quand on est là, elle nous voit. Et une de moins. Je crois pas que ça fasse quelque chose, mais essayons. Je me rappelle plus si j'avais déjà essayé ça. Allez, vas-y, va sur elle, qu'importe. Ça ne fait strictement. Viens là. Oh merde. Tu vas rentrer dans la fleur. Ah ça c'est chiant ça. Quand il fait sa tourniquette au lieu de. Quoi, je vais la tirer. Les plans. Aussi quelque chose de marrant, c'est quelque chose qu'ils ont bien fait de faire, c'est que selon ce que vous portez, les animations pour l'ouverture des coffres sont différentes. Link, c'est comme c'est tout normal, mais pour la poste mojo, c'est différent. Il est tellement petit qu'il monte carrément, il va carrément dans le coffre. Voilà, c'est une bonne chose d'acquis. Oui. Comment il faut jamais voir le tournis, sérieusement. Bon. Alors, là-bas. Je suis peut-être pas sûr qu'on puisse aller là-bas, il me semble pas, hein. Mais... peut-être... Si, on peut. Voilà. La. Voilà, on va pouvoir continuer. Et comme un con, j'ai pas regardé où j'allais. La carte en soi n'est pas très utile tant qu'on n'a pas la boussole. Puisqu'à la limite, ça va, on n'a pas vraiment besoin de la carte en elle-même. Surtout la boussole qui est utile pour s'orienter. Même si la carte permet un minimum, c'est vraiment le minimum de chez minimum, quoi. Escape. Alors ça par contre ça oui. Alors ça c'est un truc qu'on peut essayer de faire. Mais dessous là il y a une petite fée. Alors il y a deux méthodes pour la voir. La première c'est de prier, c'est d'aller au fond même si on s'est blessé. Puisque quand on récupère sa vie et de repartir, mais c'est risqué. Et en fait le mieux c'est carrément d'attendre que le marais soit libéré, c'est-à-dire en gros de finir le donjon. C'est pour ça qu'en fait au final je vous aurais pas tout. Que je n'ai pas envie de mourir bêtement. Bon alors tu dis ça ou pas? Oh faut que je vienne te chercher. Die. Bitch. Oui, ça ne sert strictement rien. Ou alors une fois que le marais sera libéré, j'y reviendrai peut-être. Quoique non, déjà que ça va. Déjà que le jeu est suffisamment long.
À moins que je fasse tout d'un coup maintenant. Alors, vous savez quoi? Je vais tenter. De toute façon, on revient à l'entrée du donjon au pire. Je vais risquer ma peau. Beaucoup, mais au moins alors. C'est parti. J'y suis déjà arrivé. De toute façon, j'ai une fée, alors, en plus. Merde. Oui, hop. Ensuite, on va là-bas. Allez, bien. Voilà. Ah, finalement, ça va. C'était pas si dur. Et au final, j'ai pas perdu grand-chose. Donc, je vais faire ça. C'est toujours mieux que de tomber et de mourir bêtement. Ouais, bon. Là, j'ai envie de dire. Voilà. Tranquillement. Au passage, je m'excuse si vous entendez du bruit derrière et... il y a quelqu'un qui lance l'aspirateur. Oula, j'arrive de tomber. Oh, calme toi. Bon, on va aller récupérer le feu, hein, puisque c'est ce qu'il faut faire à la base. Et on va se... Oula, le bruit devient de plus en plus fort, j'espère que vous ne l'entendez pas. Mais arrête-toi. Et enlève-moi ça. C'était pas le bon bouton. Merde. Je suis foutu. Adieu. Il s'est noyé dans de l'eau. Alors qu'il avait la tête dehors. Ouais, c'est la logique de l'empoisonner. Heureusement, j'ai eu ce petit court répit de, entre guillemets, d'invincibilité de respawn. Oh, mais Link, putain, c'est pas possible. J'en ai marre de lui. Enfin, je dis j'en ai marre de lui, mais c'est moi qui fais de la merde avec mes touches depuis tout à l'heure. En même temps, faut comprendre que les touches clavier pour jouer à un Zelda, sympa. Alors faire attention aux papillons parce qu'ils nous blessent si on c'est trop longtemps. Link, putain, c'est pas précis les touches directionnelles. Alors pourquoi j'ai pas un pad? Et hop, on range pour économiser le bâton. Et ça sert à attaquer. Ah, j'ai besoin de ma transformation Mojo. Et on va tranquillement aller là. Rien de moins. Est-ce plus gaffe que le deuxième? La biche? Oh voilà, puis on va faire comme ça, écoutez. Du coup c'est moins précis. Ah ouais, ouais, c'était bon. Voilà. Il y avait ces deux méthodes, hein, après à vous de voir laquelle vous convient le mieux. Moi je suis plutôt quand même dans la méthode je fonce dans la fleur. Plus sûr et on gâche moins de magie quoi. Voilà, là maintenant on peut se repérer efficacement. Oh le petit coup de la gueule. Alors après il y a encore. Bon Dieu. Ça va me porter préjudice un jour, hein. Oh putain. Non. Ah j'y arriverai jamais, je vous jure. Dommage que je n'ai pas de pad et qu'en plus même si j'en avais un, je suis sûr que je ne saurais pas le mettre. Alors bon, ok, cas. Et on range. Aïe, faut être papillon. Papillon qui blesse le héros du temps. Il m'a un peu vu. Bon alors par contre là, le héros du temps il me saoule. Aïe, vous voyez là, c'est méchant le papillon. Méchant papillon. Il faut faire des conneries, méchant papillon. Oh, j'ai plus. Ah voilà, là tu pouvais te mettre.
Oh, tu sens le mal. Effectivement, le mal a des petits yeux, c'est mignon. C'est tellement facile de les buter. Je vais tomber comme un content à réfléchir. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là, dans cette salle obscure. On continuera la prochaine fois. Donc à quoi 6 pour donc cet épisode de Majora Mask, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Now I'm scattered, now I'm broken.